Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre chroniqueuse Elsie Lefebvre qui va nous entretenir sur « Faut-il abolir le changement d'heure? » Dis-moi pas que tu vas te rallier, Elsie, à tous les chialeux là, de « Oh, change l'heure, ça fait un décalage horaire d'une heure. » Ouais, c'est le fun. Non, moi j'adore ça. Je suis un des seuls. Là. J'aime ça, le changement d'heure. Sais-tu pourquoi? Parce que rendu au printemps, on renaît, mais ça prend la noirceur avant de renaître. Sinon, on apprécierait pas. Ben, c'est intéressant ce que tu dis, Guy, parce que pour vrai, ce débat-là, c'est pour ça que j'ai décidé de parler de ça, parce qu'on en parle depuis des années. Puis, moi aussi, là, tu sais, je suis comme, pourquoi qu'on parle de ça? Je me sens pas personnellement très concernée, mais j'ai appris toutes sortes d'affaires, puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant de mettre ça sur la table. J'ai vraiment pas d'opinion sur le sujet. Je pense qu'il y a des bons côtés d'un côté ou de l'autre, mais une chose est claire, c'est que ça touche tout le monde. Donc, tout le monde, est affecté par ça, parce qu'évidemment, ben, tu sais, tout le monde va changer son cadran, son horloge. Mais l'autre chose, c'est que ça a quand même des impacts sur la santé, sur certaines personnes. Puis bon, je pense que c'est intéressant d'en prendre compte. Puis ça a des impacts aussi sur bien des affaires. Donc là, je te fais un petit résumé de la situation. Alors là, nous, au Québec, puis on n'est pas les seuls, il y a plein d'autres endroits dans le monde qui font ça, on vit avec l'heure normale et l'heure avancée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, ici, là, le 2 au 3 novembre, donc dans quelques semaines, à 2h du matin, on va reculer l'heure et on va gagner une heure de sommeil. Là, je lis mon texte parce que c'est tellement mélangeant de savoir si on gagne ou pas une heure que c'est ça l'affaire. Fait que là, le gouvernement du Québec, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, Simon-Jolin Barrette, on a appris aujourd'hui qu'il lance une consultation auprès des Québécois sur Internet. Donc, tout le monde peut aller donner son opinion pour être capable de trancher la question. Alors là, c'est intéressant parce que là, ils ont publié des tableaux. T'sais, on peut voir ici. Donc, ça dit « Le changement d'heure, devrait-on l'abolir? » Et là, ça donne mes scénarios. Parce que moi, ce que j'avais pas compris, c'est que je pensais que si on arrêtait de changer l'heure, ça voudrait dire que nécessairement, on tombait à l'heure normale de l'Est. Parce qu'on a l'heure avancée, puis on a l'heure normale. Mais c'est pas ça. C'est que là, une fois qu'on va décider si on arrête de changer, c'est-à-dire de faire 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre, ensuite de ça, la deuxième décision, finalement, c'est de décider dans quel fuseau horaire on veut être. Est-ce qu'on veut garder l'heure avancée ou on veut garder l'heure normale? On envisage la possibilité, ouais, littéralement, d'abandonner le fuseau horaire qu'on a. C'est ça, c'est exactement. C'est qu'une fois qu'on décide, là, dans le fond, la décision, ou en tout cas ce qui est mis à la discussion par le gouvernement, c'est de dire, est-ce qu'on arrête ça d'avoir deux types d'horaires parce que semble-t-il que c'est très néfaste sur le sommeil, puis semble-t-il aussi qu'il y a même, tu sais, qu'il y a des statistiques qui révèlent que les jours qui suivent là, un changement d'heure, ben il y a plus, en tout cas, moi c'est ce qu'on m'a rapporté là, donc tu sais, c'est encore à valider, mais il y aurait plus d'infarctus, il y aurait plus même de suicides. Il y a des impacts, évidemment, sur les nourrissons, sur les personnes âgées qui sont plus affectées par une routine, les animaux. Donc, tu sais, il y a quand même des impacts importants, mais tout ça pour te dire que là, on déciderait, est-ce qu'on arrête de changer? Puis là, après, on va choisir, est-ce qu'on aime mieux l'heure avancée ou est-ce qu'on aime mieux l'heure normale? Et là, c'est là qu'arrive le gros débat, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Et c'est pour ça qu'il y a quand même un certain avantage d'avoir les deux situations, parce que c'est comme si on profite du meilleur ensoleillement des deux situations. Mais on a la brisure deux fois par année où là, notre système corporel est affecté. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui sont très affectés par ça. Je faisais des blagues tantôt. Moi, je suis pas affecté par ça, puis j'aime ça sortir, mettons, à 5h, 4h30, 5h, puis qu'il fait noir. Mais je sais qu'il y a des gens vraiment qui ont besoin de ça. Là, la luminothérapie, ça peut aider. Mais, tu sais, dans les pays scandinaves, ici, là, puis en Allemagne aussi, ils ont cette tradition-là à cette étape-là, parce qu'évidemment, les pays scandinaves sont plus au nord, donc ils ont vraiment la noirceur presque à journée longue, rendue autour du 21 décembre. Là. Ils mettent de la lumière, mais partout. Tu sais, il y a vraiment dans des villages,
Et ça nous aiderait beaucoup, là. Ça rajoute de la joie dans le temps de Noël, évidemment, on le vit, on le voit, là, mais c'est le fun aussi, ça. Tu sais, ça donne une autre dynamique. En tout cas, ça enlève un petit bout de dépression pour certains. Bien, c'est sûr, parce que si on conservait l'heure d'été à l'année, donc l'heure qui est en ce moment, si on garde ça, le gouvernement a comme fait la projection. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'été, le soleil, à son heure le plus tôt, là, il se lèverait à 4h51, puis il se coucherait à 20h43. Donc là, ça veut dire de la luminosité extérieure jusqu'à 9h30, 10h. On a ça là, dans les belles soirées d'été. Moi, j'adore ça. T'sais, j'ai l'impression qu'on a un vrai été, le soleil se couche tard. Puis, si on garde cette heure-là, ça voudrait dire, par exemple, que l'hiver, le soleil se lèverait à 8h27. Mais là, quand le soleil se lève, il fait pas clair, là. Il fait juste commencer à se lever. Donc ça voudrait dire que si on garde l'horaire d'été, ça voudrait dire que à 9h, le soleil se lève. Là. Ça veut dire que c'est tard, là, parce qu'on est habitué de se lever, là, tu sais, les gens qui vont à l'école ou au travail vers 7h, 7h30. Donc là, jusqu'à 9h, il ferait noir. C'est démotivant d'aller travailler, là, ouais. C'est ça. Puis le soleil se coucherait à 5h. Donc, on peut, tu sais, vers 5h, 5h30. Donc, ça serait comme le penchant de on garde l'heure d'été. Mais si on prend l'heure d'hiver, ben là, l'été, le soleil se lèverait à 4h du matin. Fait que, tu sais, c'est un peu de bonheur, là. Moi, je dors encore à 4h. Fait que ça me dérange. Il se coucherait à 7h43, donc une heure plus tôt. Fait que ça veut dire vers 8h30, 9h, commence à faire noir. Mais l'avantage que ça a, c'est qu'à 7h30, l'hiver, le soleil se lève. Donc ça, c'est ce qu'on va vivre cet hiver. Donc, c'est vraiment tout un débat, cette histoire-là, parce que si on arrête de changer l'heure, il faut choisir notre fuseau. Puis sérieusement, il y a des avantages puis des inconvénients dans les deux. Puis je pense que c'est pour ça, finalement, qu'on est resté, ben, tu sais, qu'on est dans cette situation-là de garder le statu quo. Puis, tu sais, juste en finissant, c'est vraiment un débat qui a lieu à bien des endroits. Là. Tu sais, comme la Saskatchewan, eux autres, ils ont fini ça. Là. Ils ne changent plus l'heure. Il y a au Québec, il y a même des endroits au Québec où on ne change pas l'heure. Tu sais, ça, je ne savais pas. Donc, dans la basse Côte-Nord, on ne change pas l'heure. Dans l'île d'Anticosti, on ne change pas l'heure. En Mingani, on ne change pas l'heure. Les Russes, eux autres, ils ne changent plus l'heure depuis 2014. Et je finis là-dessus. Aux États-Unis, en mars 2022, le Sénat américain a adopté à l'unanimité, un projet de loi qui visait à abolir le changement d'heure, mais Joe Biden n'a pas donné la sanction, donc c'est encore le statu quo. L'Ontario a aussi voté pour arrêter de changer l'heure, mais a mis la condition que le Québec, et je pense que le nord des États-Unis, prennent une décision, puis comme on n'a pas pris de décision, ben là, c'est le statu quo. Donc, je ne sais pas ce que va faire ou où va nous mener cette consultation de Simon-Jolin Barrette, mais c'est toute une boîte de Pandore qu'on ouvre. Et je pense que tout le monde va avoir une opinion favorable ou non sur c'est, ça. Donc, c'est un débat qui ressemble au débat de la couleur de la margarine. Ça revient à chaque année. Puis à un moment donné, il faut trancher et dire « c'est ça la couleur ». Non, mais écoute, on fait des blagues, mais c'est intéressant. C'est toi qui m'apprenais. C'est la première fois que j'entends ça, même si j'ai fait 30 fois le tour du Québec. On ne savait pas qu'il y a des endroits où on ne changeait pas l'heure au Québec. Ça, c'est intéressant quand même. Ben exactement. Puis les maritimes, ben, tu sais, on le sait, là, on disait toujours une heure plus tard dans les maritimes. Donc, Blanc-Sablon se trouve à proximité de Terre-Neuve. Elle est décalée 30 minutes de l'heure des maritimes. Mm-hmm. Donc, bon, ben, écoute, c'est quand même intéressant de savoir qu'on n'est pas tous sur le même fuseau horaire, même au Québec. Ma solution, moi, c'est qu'on devrait dire, il est midi tout le temps. Ah, ouais, c'est ça. Avec le plein soleil, une sangria, puis la vie est belle. Allez, merci beaucoup, Elsie Lefebvre. On se parle demain. Salut. À bientôt.